santé sur les autoroutes et qui t'a béni. Qui t'a béni, bien-aimé. 4 minutes. 4 minutes et de poussière pour que nous puissions rentrer. Alors, est-ce que tu peux commencer à dire au voisin ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi en 2014? Est-ce que raconte au voisin, tu sais qu'il m'a gardé, moi il m'a béni, moi il m'a donné un boulot, moi il m'a donné un boulot à la fin de l'année, à 2 jours, il m'a donné. Ah, raconte, raconte ce qu'il a fait. Ne reste pas comme ça, s'il te plaît. Dis au voisin ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Dis au voisin, tu sais, moi je suis un rescapé de Dieu. Moi là, un rescapé, il m'a gardé des accidents. Il m'a gardé de beaucoup de choses. Ah, dis à quelqu'un, Jésus est bon, Jésus est bon. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Dis-lui que Jésus est bon, il est bon. Il est bon. Raconte seulement les merveilles de l'Éternel. Dis-lui que j'étais malade, il m'a gardé. Oh, il n'a pas permis que j'aie un accident. Non, continue à dire ces choses-là. Mais pourquoi tu restes silencieux? Il n'a rien fait pour toi. Pourquoi tu parles pas? Il y a des voisins qui parlent pas, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. 2 minutes 54 secondes. 2 minutes, moi à ta place, je veux me réjouir. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Moi, je danserai différemment pour le Seigneur. Alors, ça commence, vous verrez, mais 50, 49, 48, 47, 45, 44, 43, 41, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, non, attends, attends, non, attends, 20, non, attends, 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 16, attends, 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 encore un peu, ça va être à 10, 10, est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour décoller? Juste 5, 4, 3, 2, 1. Avec quelqu'un, permet, libère les paroles, prophétise sur la vie de la personne, souhaite les bons voeux, permet, prophétise, déclare des paroles. Nous sommes rentrés en 2015. Non, parle à quelqu'un, libère les paroles de bénédiction, libère encore les paroles. Non, dis à quelqu'un, tu ne pleureras plus, le temps de pleurer est fini. Non, parle, déclare, permet, parle encore. Nous sommes en train de parler, nous parlons en même temps, nous déclarons, Jésus est bon, oh, il est bon. Parle, parle encore, déclare les paroles, déclare les paroles. Fais-le pour ta famille, fais-le pour ta famille, fais-le encore, hey, café, fais-le encore, jamais, nous déclarons les paroles, déclare, déclare sur le voisin. Dis les paroles, il est bon, il est bon, continue ensemble, ensemble, ensemble. Attends, attends, ceux qui sont en famille, la main dans la main, les parents qui ont des enfants, tu déclares,
mon fils, ma fille réussira. Il n'y aura pas d'échec, aucune maladie. Bien-aimé, allez, déclare. Ceux qui sont en famille, faites-le. Ceux qui sont seuls, trouve quelqu'un, deux à deux. Même si, bien-aimé, deux à deux. S'il n'y a pas les membres de la famille biologique, trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. En même temps que nous chantons, nous célébrons. En même temps que nous chantons et nous célébrons. Pasteur, t'as dit, s'il te plaît, c'est la fête, on y va. Bien-aimé, nous sommes en train de déclarer la parole. En famille, déclare la parole. Déclare encore. Déclare la parole. Déclare. C'est que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Mais tu as le droit de permettre les choses. Commence à permettre les bonnes choses. Tu interdis les mauvaises choses. Tu dis cette année, je te condamne à la réussite. Je te condamne à la réussite. Tu réussiras. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix encore. Élève ta voix. Pendant ce temps, nous chantons, nous proclamons. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons, bien-aimé, pas de maladie. Continue, bien-aimé. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ensemble, continue encore. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Car je connais des projets, bien-aimé, que je formule pour vous. Projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, nous écartons tout projet de malheur. Nous écartons tout projet de malheur. Nous appelons le projet de bonheur sur la vie de quelqu'un. Déclarez-le. Déclarez-le ensemble. Déclarez-le, bien-aimé. Parce que Jésus est au milieu de nous. Il t'a fait rentrer en 2015. Jésus t'a fait rentrer en 2015. Il t'a fait rentrer en 2015. Quelqu'un dit encore, je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Les voix s'élèvent. Les voix s'élèvent encore pour déclarer les premières paroles de 2015. Ce sont les paroles de bénédiction. Personne n'aura le droit de te maudire. Personne ne te maudira. Personne ne le fera. Parce que les premières paroles, ce sont des paroles de bénédiction. Déclare les paroles sous tes enfants. Déclare-le. Déclare, même entre sœurs, parlez. Même entre personnes, ce n'est pas le temps des portables. Nous sommes en train de prier. Dis une parole. Dis une parole. C'est décisif. C'est décisif. Le Seigneur est bon. Il est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Nous acclamons Dieu pour l'avenir et le devenir. Avec des cris de joie, de youyou et de trompettes. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Il est notre Père. Il est notre Père. Nous sommes en train de danser. Nous sommes en train de danser. Nous sommes en train de danser.
ouvre les silas, ouvre les portes de la prison. Bien-aimés, nous voulons faire deux, trois déclarations prophétiques puissantes. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Non, si cette parole te concerne, bien-aimé, tu vas le recevoir et tu vas dire à Dieu, bien-aimé, c'est vrai. Autant de fois, nous avons vu des promesses. Il y a des gens qui ont beaucoup lutté dans leur vie. Ils ont eu des promesses, mais ils ont vu 2014 fini. Bien-aimé, ils se sont dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là ou Dieu n'est pas là? Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, que l'Éternel est là, il existe, il connaît chacun de nous. Il se tient derrière sa parole pour son accomplissement. Bien-aimé, pendant que je vais lire cette parole, s'il vous plaît, les instruments, un instant. Instruments, s'il vous plaît, nous sommes en train de prier. Nous allons continuer à chanter, à danser. Bien-aimé, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, je dis à quelqu'un, bien-aimé, si cette parole te concerne, tu dis amen et tu pries pour ça. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si tu mets en pratique tous ces commandements, bien-aimé, quand tu es prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Non, si cette parole est pour quelqu'un, bien-aimé, tu acclames ou tu dis quelque chose pour le Seigneur. Il te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cela veut dire, vous serez 10 à être choisis. Toi, tu seras parmi les 10. S'il y en aura 5, tu seras parmi les 5. S'il y en aura 3, tu seras parmi les 3. S'il y en aura 2, tu seras parmi les 2. S'il ne restera qu'une personne, oh, je te t'annonce, bien-aimé, ça sera toi qui es là, bien-aimé. Parce que ta place est déjà réservée. La Bible dit ceci, bien-aimé, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Non, si cette parole est pour toi, bien-aimé, cette parole est pour moi. Bien-aimé, s'il y a un endroit où on bénit les gens, je t'assure que tu es la priorité de Dieu. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Donc quelqu'un lève sa voix pour dire, Seigneur, je ne louperai rien, je ne raterai rien. Nous élevons nos voix, nous déclarons, Seigneur, ce que tu as prévu depuis le ciel pour nous, ça restera pour nous. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, personne ne me volera ma bénédiction, personne ne me volera ce qui est à moi, parce que tu y es avec moi, parce que tu marches avec moi. Quelqu'un dit parce que Dieu a parlé. Écoutez-moi très bien. Les fruits de tes entrailles, bien-aimés. Les fruits de ton sol. Les fruits de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Les enfants sont la récompense de tes entrailles. Les enfants sont la récompense de tes entrailles. La Bible dit, bien-aimés, les fruits des entrailles seront bénis. Est-ce que quelqu'un dit encore amen? Amen. Quelqu'un dit, les enfants de ma famille sont bénis. Non, quelqu'un, ils sont bénis. Quelqu'un dit encore, ils sont bénis. Mes enfants sont bénis. Bien-aimés, proclame la bénédiction sur l'ensemble de tes enfants. Même les enfants futurs, ceux-là qui sont en route, ceux-là qui viendront. Quelqu'un dit qu'ils sont bénis. Même ton travail sera béni. Il n'y aura plus de faillite. Je dis à quelqu'un, il n'y aura plus de faillite. Je dis à quelqu'un, il n'y aura plus de faillite. Non, quelqu'un acclame Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Écoute encore cette parole. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Je déclare à quelqu'un, il ne manquera pas de pain. Il ne manquera pas de lait. Non, il ne manquera pas de légumes. Non, je parle à quelqu'un, il ne manquera pas. Quelqu'un dit, il ne manquera pas. Quelqu'un dit, je prends cette parole. Non, Dieu fera que dans ta maison, le pain ne manque pas. Dieu fera que du lait ne manque pas. Il ouvrira son bon trésor pour te donner du lait. Ça ne manquera pas. Acclame le Seigneur et saisis cette parole. Saisis encore cette parole. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Aucun avion que tu prendras ne va cracher. Oh, 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 oh. Je dis bien, aucun avion. Tout avion que tu prendras au départ, bien-aimé, arrivera à sa destination. Quand tu rentreras dans l'autoroute, tu arriveras à destination. Quand tu prendras le train, ça arrivera à destination. Quelqu'un dit, je prends cette parole, c'est pour moi. Non, acclame le Seigneur pour la victoire qu'il te donne déjà. Acclame. Acclame encore. Bien-aimé. Là, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. J'ai dit à quelqu'un dit ça j'aime beaucoup.
Amen. Il y a quelque chose dans la vie, on ne choisit pas ses combats. On ne choisit même pas ses ennemis. Vous pouvez être là côte à côte, mais c'est lui qui te fait du mal. Mais écoutez ce que la Bible dit. S'ils vont s'amuser, bien aimé, à te déranger, l'Éternel dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Wow. Non, je dis encore, l'Éternel te donne déjà la victoire sur tes ennemis. Non, je dis à quelqu'un, l'Éternel des armées te donne la victoire sur tes ennemis. Non, j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble. Mais si on me dit par exemple, avant que je ne fasse ma bataille, on me dit déjà que l'Éternel m'a déjà donné la victoire. Cela veut dire, donne-moi un coup à gauche, un coup à droite. Je m'en plains pas. Je bénis seulement Dieu. Je continue à servir Dieu. Parce qu'il y a 2000 ans sous la croix, Christ a dit tout est accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner des paroles de victoire? Des paroles de victoire sur les ennemis. Sur les ennemis. Parce que Dieu, ils viendront par un chemin. Ils viendront contre toi par un chemin. Ils sortiront contre toi, bien-aimé. Ils vont s'enfuir par sept chemins. Ah, je parle à quelqu'un, bien-aimé. Ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par plusieurs. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Est-ce que quelqu'un croit que l'Éternel combat pour lui? Est-ce que quelqu'un croit que le feu dévorant de l'Éternel est capable de le consumer? Acclame encore la victoire de Jésus. Tu l'acclames. J'aime cette parole. Bien-aimé, ça, je termine avec ça. Je termine. C'est fini pour toi le temps d'aller courir pour chercher la bénédiction. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci, j'aime cette parole. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de te localiser. Oh! Ah, non. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Ça s'appelle la période de la faveur de Dieu. Là où tout le monde cherche, mais toi, la bénédiction te localise. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Non, Dieu te dit que la bénédiction va te localiser. J'aime cette parole. L'Éternel, bien-aimé, il ordonnera. Ce n'est pas une probabilité. Quand tu leur donnes, c'est un impératif. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien-aimé? Comme on a donné l'impératif à ce poisson, il dit, toi, ton problème, jette seulement la maison. C'est-à-dire que l'ordre a été donné à ce poisson qui était, je ne sais pas moi, du côté de l'océan Indien de l'autre côté, mais le poisson a reçu l'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi qui attends un mariage, Dieu va ordonner de te localiser. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Vous serez 10, mais c'est toi qu'on va localiser. Non, bien-aimé, quelqu'un est en train d'être localisé par ailleurs. Bien, nous terminons avec ça. L'Éternel ordonnera à la bénédiction en 2015 d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui l'Éternel a donné déjà un pays? Oh, Dieu t'a donné un emplacement. Non, tu as un emplacement réservé pour toi. Et personne d'autre ne se mettra là. Je dis bien personne d'autre. Il y a un emplacement. Il y a un bureau qui est préparé pour quelqu'un. Non, tu acclames Dieu parce qu'il te dit, il ordonnera. Il ordonnera. Bien-aimé, lève tes mains. Lève tes mains. Je suis en train de déclarer dans ta vie. La saison de deuil est finie. Tu vas abandonner là les habits de deuil pour 2014. Le Dieu de la consolation se lève pour toi. On ne se moquera plus de toi. Tu ne raseras plus le mur. Tu le regarderas en face. Il te donne l'occasion de témoigner que j'ai un Dieu qui me connaît. Les habits de deuil, c'est fini. Tu n'expliqueras plus aux gens tes problèmes. Mais Dieu te donne la force de parler à tes problèmes. Parce que Dieu te donne l'onction et l'autorité. Tu ne t'enfuiras plus devant Goliath parce que Dieu te donne la capacité de l'affronter. Tu parleras comme une femme ointe. Et tu parleras comme un homme ouin. Parce que Dieu te localise.
que la provision divine pour l'année 2015 que l'Éternel a réservée pour toi, que ça puisse déborder. Je dis bien que ça puisse déborder. Et que ceux qui sont autour de toi puissent remarquer que tu as quelque chose de différent. Non, que tu appartiens à l'Éternel. Non, l'onction fera la différence. Non, l'onction de Dieu fera la différence. Non, je dis dommage pour ceux qui ont voulu bien aimer ton malheur. Ils se rendront compte que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il agit. Il contrôle le présent, le passé et il maîtrise également le futur. Non, tu acclames ton Dieu qui t'a promis des choses puissantes et puissantes et puissantes. Bien aimé, je dis à quelqu'un, le deuil est fini. Non, je dis à quelqu'un, le deuil est fini. Non, je dis à quelqu'un, le deuil est fini. Je dis à quelqu'un, le deuil est fini. Tu peux acclamer Dieu dans la joie. Et dans la joie. Et dans la joie. Chers amis, en mon nom personnel, Maman Thérèse, et l'ensemble de tous les serviteurs de Maranatha, toutes nos églises associées, les amis, serviteurs de toute la France, du monde entier, on voudrait vraiment vous souhaiter une très bonne année. Ma prière qui est moins de pleurs, qui est plus de témoignages, et que les gens se disent que non, ça c'est un signe de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien aimé? Si autrefois tu as été la honte de tout le monde, tu seras l'objet de jouer.